Comment tu vas? Oh le toutou. Les amis, alors je vous présente le monstre. Tu vas où là? On est en train de faire une vidéo. Bref, oublions. Yo tout le monde, c'est Shane. Je suis pas tous extrêmement bien aujourd'hui. On se retrouve dans un endroit assez particulier. Je suis en ce moment même en Bretagne. Pourquoi je sais pas. J'avais besoin de prendre un coup de soleil, comme par exemple cette photo là. Ça pique un peu, ouais, j'avoue. On n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mon chien. Un chien que j'ai depuis un an, mais que j'ai jamais rien fait avec lui. Et je voulais même pas officiellement présenter sur ma chaîne YouTube. Loki, tu viens? Viens, viens là, toi. Assis. Assis. Donne la patte. Donne la patte. Oui, attends. Oh, pas mal, hein, pas mal. Donc, ce chien-là, il s'appelle Loki. Donc, Loki, L-O-K-I. Un peu comme Loki dans la série qui est sortie sur Disney+. Ce chien est né le 31 janvier 2020. Donc, il a un an et six mois à ce jour. Donc, c'est un chien de race. Donc, il a le pédigré et tout avec toute sa charte de famille. Donc, il a été élevé dans les Charentes-Maritimes, dans l'est de la France. Et donc, sa race, c'est un corgi pédigré. Oh, regardez comme il était trop mignon quand il était petit. Hein. Qu'on a voulu l'adopter. Voilà, c'est vraiment cette image-là qui m'a fait chavirer mon cœur. Et donc c'est un chien qui appartient à ma famille. Il est pas à moi, il est plus à mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Et à moi bien entendu hein, quand même. Mais oh regarde. Oh. Je pue des pieds? Je pue des pieds, c'est ça? Hein? Tu veux ma chausson ou pas? Va chercher. Ah, Loki, t'es un mauvais chien. Tu vas pas chercher les chaussons. Ce qui kiffe dans la vie, c'est de bouffer les chaussures. Voilà. À la maison, ce qu'on fait, c'est que chaque tongue, chaque chose qu'on a, on met ça en hauteur. Parce que lui, ben, c'est un chien saucisse, très court sur pattes, avec une tête de renard. Le mot corgi, en tout cas, ça veut dire chien de travail ou chien nain. Voilà. Ce canidé miniature se rendait utile depuis des millénaires auprès des paysans à qui il tenait compagnie. Mais surtout, le Welsh Corgi se montrait d'une grande efficacité pour garder le bétail. Le chien Loki, qu'est-ce qu'il adore faire quand il rencontre une nouvelle personne? C'est lui mordiller le bas des pieds. Comme s'il mordillait les sabots des vaches. C'est pour ça qu'il est petit. C'est pourquoi il est petit en fait. Et pourquoi il était ultra? Parce qu'en fait, les vaches donnaient des coups de sabots comme ça derrière. Et bien, vu qu'il était petit, ben, il passait en dessous des sabots de la vache, tu vois. Donc la vache, voilà. Ce genre. Loki, il comprend quelques petits mots. Donc en un an et quelques, bon, j'ai pas pu le voir trop souvent, tu vois. Mais je lui ai quand même appris quelques petites choses. On va le prendre. Hop là! Il aime pas qu'on le prenne comme ça. Vraiment, c'est, tu vois, là, il regarde déjà à droite, le truc qu'il veut faire, c'est descendre. Mais alors, Loki, oh, tu sens le chien, toi, hein. Tu serais pas un chien par hasard? On va faire des tests, toi et moi, d'accord? Parce que j'ai envie que ma communauté te connaisse un petit peu, tu vois. Je vais lui montrer un petit peu les jeux avec quoi il joue, qu'est-ce qu'il fait avec moi, comment on le balade, comment ça se passe de le balader surtout, parce que, ben... Allez, allez. Lui, ce qu'il connaît comme mot, c'est... Loki, il connaît, tu vois, ça. Hop, il est. On va jouer. Hop, tu vois, avec les oreilles, d'un coup, il les monte comme ça. Il y en a plein d'autres mots que je vous montrerai au fur et à mesure de la vidéo. Donc, c'est un chien trois couleurs. Il a la tête rouge. Et quand il est né, il était quasiment tout noir. Quand il est né, il avait juste un petit peu de roux au niveau du visage, comme ça. Et en fait, il s'est éclairci au fur et à mesure qu'il a grandi. Là, il a sa taille adulte. Quand il avait trois mois, il avait ça comme taille. Là, c'est une belle bête, hein. Il a de la force dans les jambes, celui-là. Et ce qu'il aime bien, c'est avec sa petite fourrure. On dirait un petit lion, hein. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Dans ces jeux, qu'est-ce qu'il a un petit peu? Un bout de plastique déchiré. Il a un bout d'os. Là, tu vois, regardez comme il me regarde. Pourquoi est-ce qu'il touche à mes jouets, ce gros bâtard? Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces jeux? Assis, assis. Pas bouger. Donc là, il bouge plus, tu vois. Viens, là, il bouge. Assis. Go! Tu me rapportes l'os, s'il te plaît? Tu comprends pas le français? On va parler en turc. Ah, voilà, tu comprends. Est-ce que tu veux la balle de tennis? Il veut pas la balle, je crois, hein. T'as pas l'impression qu'il veut pas la balle? Va chercher. Et c'est un échec. Coup dur pour Guillaume. J'ai mal aux couilles. C'est pour ça qu'on va sortir les croquettes. Je vais vous montrer qu'est-ce que mange Loki. Donc c'est des croquettes... Oh, une odeur, frérot. T'as pas idée, vraiment. On va voir si tu es respectueux et tu mérites d'avoir tes croquettes Loki, d'accord? On prend une croquette dans la main comme ça, on la cache dans sa main. On cache le pot comme ça. Pas bouger. On va tester le pas bouger premièrement. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Bien. Oui, c'est bien, c'est bien. Là, on a le pas bouger, le viens qu'on lui dit. Ça, c'est fait. Validé. Viens, viens. Viens Loki, viens. Assis. Le assis est validé aussi, hein. Ça y a aucun problème. Quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à lui faire apprendre. Donne la patte. Donne la patte. Oh. Le donne la patte on l'a. Le assis on l'a. Le pas bouger on l'a. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire d'autre? Le coucher. Tu veux que je lui apprenne de se coucher? Et c'est un chien saucisse. Quand il est debout, il est déjà couché. Oh le fou! Il en regarde comment? Il est en train de. Mais non. Oh là là. C'est pas bien. Donc là, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il va faire une connerie. On va le mettre au coin. Voilà.
assis. Voilà, donc le coin, c'est le canapé blanc de 50 mètres carrés. Donc là, c'est bon, là, il a goûté les croquettes, là, donc là, il est excité pendant une demi-heure, c'est la merde. De base, c'est un chien de troupeau, mais maintenant c'est plutôt un chien de famille qui peut être autant pour les familles nombreuses ou comme aussi les personnes âgées ou les personnes handicapées. Il comprend très bien, très docile, c'est vraiment un chien de clown. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas remarqué, mais c'est le même chien, la même race que les chiens de la reine, les corgis de la reine d'Angleterre, c'est exactement le même délire. Sauf que lui, regardez, sa queue... Oula, il n'aime pas que je touche la queue. Sa queue, là, regardez, elle n'est pas coupée. J'arrive pas à le faire apprendre de qu'il se couche, parce qu'il est déjà tellement petit sur pattes qu'il comprend pas la différence entre être assis et couché, simplement. Bisous, 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 bisous. Voilà, voilà. Bref, donc là on a joué un petit peu avec la bouffe, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il pouvait faire, mais c'est pas encore fini, parce que là on va faire quelque chose qu'il adore faire plus que tout, c'est la promenade. On va se promener. Let's go. Va chercher ta laisse. Viens. Voilà, donc là, il est parti aller chercher sa laisse, parce qu'il met sa laisse lui-même. Pas du tout. Alors, la promenade, on a un sérieux problème, c'est que, vu que c'est notre premier chien, on savait pas trop au début comment faire pour bien l'encadrer. Ce qui fait qu'il tire beaucoup, beaucoup, beaucoup sur sa laisse, mais on est en train d'y travailler dessus. Donc c'est parti pour voir sa laisse, comment on le promène, comment il se comporte, et qu'est-ce qu'il aime pas. Parce que son plus pire ennemi à Loki, vous savez qui c'est? Ce sont les petits vélos. Bon, pas ce genre de vélo, mais les vrais vélos, les trucs qui tournent, il aime pas. Il gueule dessus. Et le chat, bien entendu, parce qu'on a aussi un chat à l'étage. D'ailleurs, s'il y a 100 000 pouces bleus sur cette vidéo-là, je vous montrerai quel est mon chat. Mais c'est pas une blague, hein. Écoutez, j'ai vraiment un chat. A tout de suite. Voici son matos. On a mis une laisse, en fait, qui va pas tout le tirer vers le cou, mais aussi au niveau de sous le torse. C'est plutôt sympa, je préfère, parce que sinon j'avais l'impression que je l'étranglais à chaque fois que je faisais une promenade avec lui. Hop, on attache. Et puis là, t'imagines Loki, là, le lion extrême de la savane. Croyez pas, c'est pas parce qu'il fait 5 cm de haut qu'à la fin de ta balade, tu vas plus avoir de bras. Hein. Tu vas devoir aller chercher ton bras, frérot. Et le remettre, hop, tu te la reboîtes. Ma mère, tu sais qu'est-ce qu'elle a eu, ma mère? 3 opérations de la calvitie. À cause du chien. On va se promener? Allez, viens, on va se promener. On va se promener? Allez, mets ta tête. Voilà. On va mettre le petit truc comme ça. Sous ses petites papattes comme ça. Là, il est un peu en mode de base, je le fais pas comme ça. Juste parce que là, il est excité, frérot. Hop là. Est-ce que vous êtes prêts pour la Formule 1? Oula, 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 oula. Oh, bien, toi bien. Mais ce qui sait pas encore, c'est qu'on va l'amener à la mer. C'est pas là, c'est là-bas, Loki, viens. Donc là, ce que j'essaye de bosser un petit peu avec lui, c'est qu'il... Voilà, c'est pas lui qui doit mener la balade, c'est moi qui dois l'amener où je veux. Vous voyez, donc bien le prendre et qu'il soit calé au niveau de mes pieds, comme ça. Donc avec mes parents, c'est une horreur. Quand ma mère balade Loki, elle est plutôt en mode... Et moi ça va on va dire. Ça fait déjà 2-3 jours là, on s'améliore bien, on fait des beaux progrès, c'est bien ça Loki. Loki, saute. Saute ici, saute. Oh mais regardez comme il a sauté, mais c'est le meilleur chien du monde. Pouce bleu, abonnement. Regardez comme il a pas peur. Non, touche pas, il y a du verre. On va sauver le toutou. Oh là, il y a du verre. C'est pas bien de laisser des bouts de verre au sol pour les chiens. Notez votre meilleur cul en commentaire. Si tu veux faire des rencontres chaudes dans ta région, écris Bouti dans les commentaires. Alors Loki, alors, eh bien ici Loki. Je te montre où on est là. Donc là, on a été tout simplement ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est un petit coup passage ici pour aller dans le port de Range. Et on va faire un petit chemin rocailleux comme ça avec le petit Loki. Voir comment il va se faire à la plage du Liso. Parce qu'ici, là, c'est très compliqué en termes de passage à niveau. Mais on va voir, j'espère que la laisse, ça va tenir. Hein, parce que là, frérot, il y a des sauts de 15 mètres à faire avec le chien. Hein. Je déconne pas. Oh, tu l'as énervé, celui-là. Je suis sûr, c'est parce qu'il le regardait du mauvais œil celui-là. Il aime bien lui. Vous voulez savoir une histoire vraie? Il y a de cela 6 mois à peu près, il s'est fait attaquer par un chien. Et ça lui a arraché toute une partie de son cou en fait. Il a eu 15 points de suture. Une horreur. Parce que le chien en fait, il était pas attaché. Et il s'est enfui d'un jardin, d'une maison. Il a foncé sur le cul, il l'a défoncé. C'est une horreur. J'étais pas là à ce moment-là, mais j'ai vu l'état à la maison. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien attacher vos chiens. Vous voyez, le mien, ben, vous voyez, il est pas encore bien formaté. Donc, c'est pour ça qu'il est attaché. Pour pas qu'il aille courir et mordre des autres chiens, tu vois, c'est pas ouf. Donc, vraiment, faites attention à ça. Et apprivoisez bien vos chiens avant de les laisser en liberté.
pas comme moi qui est nul. Pour ça j'ai besoin de votre aide, hein. Si vous avez des conseils ou quoi, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, ce qu'on va tenter c'est une petite descente. Là on va voir un petit peu ses capacités de montagnard avec ses petites pattes de 5 cm. Alors tu vois là-bas il y a le sable Lokir, tu vas devoir y aller, d'accord? Allez go, go, viens. Oh putain, c'est bien ça. L'année dernière, il avait un petit peu peur du sable. Là, ça va, hein. Là, il y va. Hein. Allez, maintenant, on va le lâcher, on va voir qu'est-ce qu'il fait là. Je lui ai pas encore appris le mot elle va attaquer. Heureusement, parce que sinon, il aurait déjà fait des ravages et on l'aurait déjà piqué. C'est pour ça qu'on tient en laisse. Allez. Il se laisse pas faire malgré sa petite taille. C'est vrai que quand tu regardes de haut, on peut être des géants face à lui, tu vois. Genre un exemple très simple. Moi, là, si instantanément je me transforme en Loki, voici ce que je regarde. Coucou, c'est une chaîne. Viens, on va faire une petite balade. Ouais, c'est chaud, là, ça fait peur quand même. Hein. Viens. On va le laisser quasiment en liberté, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être qu'il va trouver un trésor sous le sable. Vas-y, crête. Allez, viens, viens. Salut les gars, vous allez bien? Est-ce qu'on peut avoir une photo? Aucun problème les refs. Vous voulez prendre des photos avec Loki ou avec moi? Avec toi. Ah vas-y, vas-y, pas de soucis. Bon, je vous laisse les gars, hein. Ouais. À plus, hein. Merci beaucoup. Bye. C'est la petite pause caca. Alors la petite pause caca. Oula, mais j'ai jamais vu faire ça de ma vie, wesh, what the fuck. Tu voulais enterrer mes pieds ou ton caca là? Parce que ton caca c'était pas dessus là. Faut le faire à sa place. Regarde, je t'explique Loki, tu vois, t'es comme ça, et là regarde, ton caca il est là, tu fais comme ça. Ça c'est un caca enterré, d'accord? C'est comme les coffres au trésor, j'en ai plein. On va faire une petite pause un petit peu parce que là, je suis un petit peu fatigué. Peut-être c'est moi qui fatigue aussi, je sais pas trop. Ici c'est chez lui et pas chez un autre toutou. Allez, fais pipi de partout là, je veux que tout ça m'appartienne. On va marquer le territoire, tu vas voir. On va retracer la France entière. Ça c'est l'effort de Loki. Pisse dessus, pisse. T'as fini de pisser, je pisse. Oh, y'a un chien derrière. Viens, doucement. Doucement Loki, hein. Elle faut pas mourir, hein. Moi j'ai peur, hein. T'as intérêt à bien me tenir si je tombe. Et on passe au pouce bleu abonnement tout de suite. Je vais avoir encore plus de contenu avec Loki. N'oubliez pas 100 000 pouces bleus. Ça sera le tour de mon chat. Merci Loki d'avoir été présent pour la petite vidéo, ça fait trop plaisir. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer et on va manger. Et j'espère que ça vous aura fait kiffer que je vous montre mon petit toutou. Voilà les petites balades qu'on fait, un peu qu'est-ce qu'il sait faire ou quoi. Mais avec le peu de temps que je suis avec lui, malheureusement je voyage pas mal. C'est la merde d'avoir un toutou dans ma vie. Et je vais quand même le laisser à ma famille, à mon frère, ma soeur et à mes parents. Mais bon, je vais pas trop te manquer, hein. Je pense que t'as l'habitude, hein. Demande à la communauté de s'abonner, Loki, hein. Abonnez-vous, sinon vous allez faire des cauchemars toute votre vie. Bah alors Loki, il faut être gentil comme ça. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, ça fait trop plaisir. On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas code créateur Unchained dans la boutique Fortnite. Merci en tout cas de me suivre dans les aventures, ça fait trop plaisir. Il y a du lourd qui arrive au mois d'août. Ciao bye. On s'aime. Promène-moi Loki. Allez, promène-moi Loki, viens. On voit qu'il y a beaucoup d'amour dans l'air.